Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour l'épisode 2 de la série des 20 conseils sur l'accueil pour accueillir au top vraiment et bien votre client. C'est tout simplement de commencer par ne pas prendre personnellement ce que le client vous dit et si le client eh bien, se plaint. Vous voyez? Parce que si vous prenez personnellement, eh bien, vous allez agir émotionnellement, d'accord? Et ça va affecter vos émotions. Et donc, du coup, vous allez vous placer sur la défensive. Vous n'allez pas avoir une attitude positive. Vous allez prendre ça négativement. Vous allez vous dire, ouais, mais voilà. Enfin, vous n'allez pas dire au client que vous êtes touché émotionnellement, mais vous allez, eh bien, perdre vos capacités, perdre le contrôle, bah, de vos compétences. Et du coup, vous êtes là, ouais, en train de vous plaindre, dans votre tête, évidemment. Et donc, une fois que vous n'aurez pas reculé la vente, vous allez dire que c'est la faute du client. Vous allez dire que, eh bien, c'est lui, il se plaint à chaque fois. Donc en fait, si vous ne prenez pas ça émotionnellement, et là vous arrivez à avoir encore le contrôle et avoir le contrôle, le pouvoir de vos compétences. Donc vous devez ne pas prendre ces plaintes, ces RDR, ces objections personnellement, parce que sinon, vous allez voir que vous allez changer votre attitude, ça va changer l'attitude de votre client, vous n'allez pas conclure la vente.